Là, c'est bon, je l'ai lancé. Mais si venez, attends, on va mettre un message. On va Coralie. Elle va être bien. C'est tout, mais. Non. De Rouen, il n'y a personne qui vient. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi à motiver les biens d'Alonso. Hello, hello. L'orne, il s'avoussait. Il n'y a personne, c'est où c'est. Tu jettes une fléchette, si y a ça, j'aurais bien. Bon, bouge pas, je fais un petit truc. Salut ma Lulu. Eh oui, t'es en ligne. Bouge pas, je fais ça vite fait, bien fait. Alors, VDS en direct comme tous les vendredis. Enfin non, depuis quelques temps déjà. Là, je suis en pleine attente des agrumes de Rouen. On est déjà quelques-uns à être arrivés. Là, je complète la VDS sur le groupe, je publie et je reviens là, voilà. Ah ben c'est moi, super, c'est ça que je voulais te montrer d'abord. Voilà, la VDS en direct, et hop, voilà, là on est aujourd'hui. Il faut que je regarde où, tac, je ferme ça, il ne faut pas l'avoir deux fois. Voilà, très bien, ouh là là, il y a du monde. Salut Alain, salut Vivien, salut Dominique, salut Momo. Salut Lulu, salut Caroline. Coucou, on va bien. Alors je vais essayer de la faire simple. Hop. Et oui, ils sont tous là. Alors voilà. Alors attendez, il y a un super décalage, les enfants. Ah ouais, il y a un beau décalage. Ouais. Salut Léla, salut. Alors attends, je te montre, voilà, il est ici. C'est là que tu es. Vous êtes exactement là. On vous attend, venez tous ici. Voilà. Donc ceux qui doivent être là pour la VDS, venez, parce que là, déjà on a un gros souci. C'est pas un souci, mais il n'y a que des gars. Christine, elle est la seule fille. Alors où sont les femmes? Mais où elles sont? Hein, je te le demande. Et je retourne sur le direct pour voir qui est là. Salut Virginie, Elisa, Frédéric, Marie, Julien. Julien, il est là, mais il participe. C'est pas possible. Oui. Julien, il est là, mais il participe. Mais oui, bien sûr, je suis là. Je participe et je suis là. Voilà. Donc c'est un petit peu particulier, tu vois, quand c'est une VDS en live comme ça. Parce que ça veut dire que moi, mes sujets, ils sont en boîte et je peux te les passer quand je veux. Et normalement, salut Marie. Salut Marilène, salut Maureen, salut Ludovic. Alors Ludovic, on t'espère ici. Hein, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, où tu es, qu'est-ce que tu vis. Mais voilà, donc on est à Rouen dans un endroit magnifique. Alors je ne sais pas si je peux faire quelque chose, parce que j'ai mis quelques câbles au bout du haï. Franchement, je sais pas, au niveau fluidité, je sais pas comment c'est, parce qu'au niveau réseau, je suis sur ma 4G. Enfin, je sais pas s'il y a 4G. Voilà. Enfin, je voulais te montrer ce qu'il y a ici autour de moi. Voilà, bordure de Seine. Hop, je sais pas si on voit ça. Je fais ça comme ça, voilà. Tu as vu ça un peu? Enfin, ceux qui sont dans le coin, voilà, regarde. On n'est pas bien là? Tranquille, mimile. Voilà. Et là, tu as quand même, tu vois, là quand même, tu as du lourd, là. Tu as du lourd. Mais que des garçons. Bon, tu vas me dire, ça vient de commencer. Hein. Il y a encore du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas que des garçons. Ah ouais, non, mais ça, c'est avant. Attends, on va ici. On a Christine. Christine. Il n'y a pas que des garçons. Ouais. Christine, voilà. Christine. Compris quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas mal de choses. Salut Karima, salut Patrick. Dis donc, ouais. Oulala, là il t'en arrive. Il paraît qu'il y a une fille qui arrive. Écoute, c'est bien, je te fais les arrivées en direct, hein, comme ça tu vois. Salut Christophe. On s'était vu. Oui. Voilà. Exact. Voilà. Là, tu as les arrivées et le petit bisou en direct live. Ça, c'est une VDS d'enfer. Moi, j'adore passer comme ça. Hein? Avant, on passait 2 heures à faire du montage et tout. Aujourd'hui, c'est la VDS au burrito.
Et oui, tu es bien, tu es chez Zagri, tu ne bouges pas. La VDS, on va faire comme la Batinale. Va te servir un mojito, tranquille. Et puis tu restes avec nous, on discute. Ok? Ouais, toujours. Ah oui, maintenant, je l'ai fait durer beaucoup plus. Regarde, viens. Voilà, dis bonjour aux gens. On est sauvés, ça y est, une fille de plus. C'est bien. Je sais. Parité femme-homme. C'est vrai qu'à la base, les Normands, c'est les meilleurs. Christine et son harem. C'est vrai que Christine, elle n'en profite pas tellement de ça. Les agrumettes normandes arrivent. Tu sais qu'il y a un truc, c'est que les boutiques ferment beaucoup plus tard. Et donc, voilà, une boutique qui ferme à 20h. Ici, on est quand même en bordure de Seine, donc le temps que ça se fasse. Quoi. Voilà. C'est qui Romuald? Pas encore totalement, mais ça va être. Vivien. Il n'y a pas de Romuald hein, ici. Ah, Julien. C'est vrai. Merci Sonia, on va tâcher de s'amuser. On a besoin de ça aussi, tu sais. Je découvre le... Salut Afida, tu vas nous manquer. Steph. Tu peux me dire, Steph, hein, ce que tu m'as posté l'autre jour. Voilà, quoi. Ça m'a un petit peu... Ah, troublé. Salut Jean-Michel. Je vois que tu as sauvé notre ami avec... tu as sauvé Manu avec les Wi-Fi Extender. Hein, comme quoi, hein. Le bonheur, c'est simple des fois. Pas grand-chose besoin. Ok. Alors, j'ai un petit diaporama que je vais te passer. C'est les choses qui se sont passées cette semaine. On va sérieux. Il est temps de faire arriver les autres agrumes. Je vais te le passer. Alors, comment je fais? Je fais comme ça. Voilà. Tac. Voilà, c'est parti. Donc, là, ce que tu vois à l'image, c'est l'inauguration de la boutique de Bègle. L'ouverture de la boutique de Bègle et celle de Nîmes. En fait, il y a Bègle et Nîmes. Voilà, ça s'est passé il y a quelques temps. Là, c'était juste pour dire bienvenue au petit Kezia dans la famille de Lucie. Voilà, donc, il n'y avait pas la photo du bébé quand j'ai dit ça. Ça, c'est bienvenue à la petite Nora dans la famille de... Non, petit Mathias dans la famille de Stéphanie. J'aurais dû sous-titrer des trucs. Et là, c'est le petit Nora dans la famille de William, c'est Willow Sachs, du côté de Lyon, un musicus. Donc ça, ce sont les choses qui se sont passées il y a quelques temps. Ah, ça, c'est les adieux de Charlène, hein, Charlotte qui quitte Orléans pour Bordeaux. Alors, on a suivi ça sur le groupe, tu vois. Bon, ben voilà, hein. Elle a un beau gosse avec elle. Là, elle a deux belles gosses, voilà. Soi-disant, il paraît qu'on va la regretter. Bon, en tout cas, nous, chez les agrumes, ce qu'on va faire, c'est que Charlène, on va aller la voir à Bordeaux très très bientôt. Ça, c'est nos collègues qui ont été, Christelle et Sandra, qui ont été médaillés, donc en plus d'autres. Là, c'est Damien qui a quitté Villeurbanne et qui part à Rouen. Donc, tu vois, son équipe va le regretter parce qu'il paraît que c'était un gars bien. Et là, c'est la fermeture de la boutique de Forbach. Et il y a eu la fermeture aussi de la boutique de Nîmes. On a vu. Voilà. Et là, on revient au début. Donc ça, c'est le diaporama, tu sais, des sujets que je passe comme ça, de temps en temps. Et là, on revient au direct. Voilà. Chez les agrumes, il se passe toujours 2-3 bricoles. Voilà, donc Patrick n'était pas dans le... Bah, je sais. Je sais, Steph, que tu serais venu. Mais bon, un jour, tu viendras à Paris. Salut Martine, gros bisous ma Martine. Et oui, les quais de Rouen. Il n'y a pas photo, c'est un endroit, c'est The Place to Be. Salut Léa. Ah oui, non, il y a du monde hein, quand même. Hein. Je te montre un petit peu comment ça se passe parce que c'est un petit peu derrière moi, comme ça. Voilà, c'est débranché, c'est pas grave. Voilà, je te montre là. Non mais je te montre qui était là. Tranquille. Personne ne m'a dit comment c'était au niveau son, au niveau débit, parce que je suis sur la 3G. Voilà, c'est Julien. Avec ça. Tiens, on vous attend, alors il paraît que ça va être le meilleur after work jamais fait jusqu'à présent, c'est ça hein.
C'est sauf ce peut-être celui de La Réunion, mais bon. Et voilà. Au niveau des statistiques, tu m'as promis que ça aurait été le meilleur. En plus, on espère. Ben voilà, on espère. Et c'est celui qui clôture la saison des Afterworks 2016-2017. J'ai mis la liste sur le groupe, donc voilà, normalement, c'est le dernier de la saison. Après, on part tous en vacances. Donc voilà, on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir, comment ça va être, etc. etc. Mais bon, c'est le son nickel. Merci Marie, c'est top. Comme quoi, on peut faire confiance à Orange. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Franchement, moi je dis, tu bosses dans une bonne boîte. Hein, parce que son nickel, moi je te dis, là sur le port. Et puis il y a quand même du monde, donc tout le monde y va de sa petite truc. Ça commence déjà. Tarbes, le meilleur. Alors, de toi à moi, Steph. Je suis un garçon. C'est normal que je dise que celui de Tarbes était le meilleur. Tu te rends compte? Tous ces blocs de béton pour moi. Tu te rends compte? C'est là où j'ai rencontré pour la première fois Matitib. Hein, et puis toi, et puis toutes les filles partenaire externe, il ne faut pas le dire, pareil. Donc c'est vrai que. Voilà, mais t'inquiète pas, Fida, tu viens pour la fin de la soirée, il n'y a pas de problème, on est là, ça va être long. Non, mais c'est vrai qu'à Tarbes, c'était particulier. En fait, ce qui se passe, salut Maxime, salut Pascal. Alors Pascal, le matin et le soir aussi. Eh, tu as raison, deux fois, c'est meilleur. Hein? Des blocs de béton. Mais oui, moi j'appelle ça comme ça. Parce que. Ben oui, un bloc de béton. Ben comment t'appelles ça, toi? Demain matin, fais-nous un direct depuis la colline Sainte-Catherine. Non, parce que demain matin, je serai déjà revenu. Hop! J'étais parti. Non, on rentre ce soir. Hein. Eh oui, Tatinette. Ben toi, tu dis Tatinette, moi, je dis ma Steph. C'est comme ça. Mais je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que les afters, on y prend super goût. En tout cas, moi, je m'éclate un maximum à venir et à les faire. Et voilà. Tu es content de rencontrer les collègues, de boire un coup, de discuter de choses et d'autres, de visiter les endroits. Ben, aujourd'hui, on a été à la boutique de Tourville-la-Rivière. Il n'y avait pas Mr. Pascal Pommier, mais il y avait quand même l'équipe qui va d'ailleurs arriver ici. C'est vrai qu'ils sont loin, s'ils ferment à 20h, le temps d'arriver, c'est au moins 21h. On a fait la boutique de Barente, hein. On a fait la boutique d'Yvetot. C'est improbable, Yvetot. Enfin, moi, je sais parce que j'y ai bossé dans le temps. Mais attends, Yvetot, c'est improbable. Et il y avait Anthony. Il est Anthony. Bonjour. Viens. Alors, est-ce que je parle de toi? Voilà, quand tu parles Anthony, ben, je parle de toi parce que je dis que voilà, Anthony, RB à la boutique d'Yvetot. On est allé là-bas de manière improbable. Hein. Une très boutique bien accueilli. Super accueil, 258 vendeurs, 3 clients. Non, le contraire, mais voilà, le top. Et ça n'est possible que depuis qu'il y a le système des afterworks. On vous attend, là, on vous attend. Voilà. Le meilleur afterwork, mieux que Tarbes. il cherche, Steph. Non, mais c'est vrai que Christine, ici, elle s'éclate, parce qu'elle se dit... Et oui, elle va peut-être arriver tout à l'heure. Enfin, elle va arriver tout à l'heure. Je sais qu'ils sont sur la route, mais bon, le temps qu'ils arrivent, c'est pas gagné. Et puis moi, ce que je veux, c'est faire la VDS, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Je te mets mes infos, on discute un petit peu, je regarde, et puis voilà. Après, le reste. Voilà. Mais c'est vrai que, si on réfléchit bien, dans les afters, il y en a un qui était super bien. Ah, ben là, voilà, elle arrive. Attends, je la donne en direct live, parce que c'est comme ça que ça se passe. Regarde. Hop. Voilà. Regarde un petit peu derrière moi là-bas, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est pas facile, je suis sur la caméra du Mac. Donc voilà. Hein? Là-dessus, tu as Céline. Céline qui arrive. Et le couple, le merveilleux couple des agrumes, Valérie et Yann. Bon, je remets comme ça, je les attends devant. Je les attends devant. Ça, c'est bien, là, on est dans le direct, donc c'est un peu le désordre. Hop, hop, hop. Je mets ça comme ça. Non. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu veux... Bon, pour ceux qui ont l'habitude, ils connaissent l'effet. C'est un espèce d'effet waouh. Qui fait que quand deux agrumes ne se sont jamais vus, hein, les agrumes qui ne se sont jamais vus se rencontrent pour la première fois, qu'est-ce que ça fait, hein? Voilà, c'est ça que... Regarde.
Anthony et Céline ne se sont jamais vus. Ils se font des bisous comme si c'était de la même famille. C'est tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça l'effet d'impulse. Salut. Ah non, mais faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir. Salut. Ça va ? Ça va. Voilà. Donc là, c'est... Hein? Oui, c'est la VDS en direct live. Voilà, ça commence à se. Là, tu vois, il commence à avoir des filles. Salut Jean-Marc. Eh oui, Céline. Merci Pascal. Merci. Mais c'est vrai que ce truc-là est quand même bizarre, non? J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Bonjour. Christophe. Nina, la femme d'Alain. Enchantée Nina, la femme d'Alain. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est l'effet agrume. C'est-à-dire que quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, tu as un petit peu discuté sur Internet. Et puis, quand tu le vois la première fois, c'est comme si vous étiez dans la famille. Céline ? Céline est encore dans sa période bisous, parce que je voulais lui dire, Patrick, que tu lui disais coucou, de la part de Paul, le diable. De la part de Paul, alors qu'il t'appelle Patrick, mais qu'est-ce que c'est que ce bis, les gars ? Arrêtez de prendre des pseudos. Hein ? Donc, Patrick, tu as parlé à Céline, mais tu t'appelais Paul. Attends, je vais la chercher. Céline ? Viens, Céline ! C'est pas facile. Hein. Bonne soirée, Anita. Salut, Jean-Marc. Ouh, Angélique, c'est la famille Orange. Angélique, c'est ta première fois, toi, sur le direct. Ah ouais, ouais, je vois ça, c'est la première fois. Je bouge avec la caméra, ça fait un petit peu de désordre. J'attends Céline, elle s'est arrêtée au milieu. Viens, viens, ma Céline. Regarde, maintenant, on est en direct. Regarde ce qui est marqué ici. C'est marqué Patrick qui dit coucou à Céline de la part de Paul de Dieppe. Ça te dit quelque chose? Bonjour Paul de Dieppe. Bonjour Paul de Dieppe. Voilà. Merci. Paul de Dieppe. Là, il y a comme qui dirait, t'es sûr que c'est la vraie Céline? Hein? Parce que ça, c'est une bouille à bisous. Hein? Oui, il y a un petit décalage son-image. Oui, ça, là, ici, c'est, super... Non, non, c'est bon. Son et image, c'est bon, mais c'est parce que ça, c'est le direct. C'est pour qu'on voit ce qu'ils disent. Salut Gérard. Bon bah tu vois c'est une grande famille. Ah il y en a Cathy. Bonjour Marc. Cathy ma chérie. Hein? Kevin Jobs, c'est la première fois qu'on te voit. Bienvenue à toi. Ex de Bagneux. Patrick oui. Tout à ben fait. Voilà, non mais il s'appelait Paul avant. Ah c'est lui. Ah, mais s'il trompe l'ennemi aussi, ça va pas le faire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah voilà. Donc Valérie et Yann, pour ceux qui ne savent pas, c'est le couple. Où ils sont? Venez ici. Valérie, bouge pas. La dernière fois, c'était du scoop. Là, je te le fais en direct live. Les deux, venez. Tu crois que c'est facile? Tu crois qu'on s'improvise comme ça le soir? On se dit, tiens, ça y est, je fais de la télé. Voilà. Non, parce que on en a parlé, on l'a dit. En plus, il regarde. Voilà. Il me bouffe le forfait. Regardez. Viens, mets-toi là. T'as ici. Voilà. Donc... Voilà, ici tu as Valérie et là tu as Yann. Et ça, c'est le premier couple des agrumes, officiel. Je ne dis pas qu'avant il ne s'est pas passé des trucs. Mais nous, les relations qui se passent dans les bois, on ne veut pas savoir. On veut les officiels. Et voilà les officiels. Hein? Donc Yann. Non, je suis étonné parce que tu es là alors que tu es là. Il faut qu'on se rapproche en fait. Voilà, Yann. Voilà, Yann qui est là. Voilà. Valérie qui est là. Bah, oui. Voilà. Donc les premiers officiels. Si tu es gentil un jour, je te passerai la déclaration de Yann à Valérie. Émouvant. Déroutant. Un petit peu bizarre. Mais c'est ça, les agrumes. Je peux aussi fournir la vidéo, mais c'est payant. Voilà. Voilà. Oui, après, oui, parce que ce qui s'est passé après, en fait. Donc ils sont là ce soir, et je te rassure, hein, ils ne sont pas de Rouen. Non. Ils arrivent de Paname, mais ils sont venus exprès pour rencontrer les agrumes. Moi, je dis ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Bonsoir, monsieur Jérôme Barré. Et oui, il est connecté. Oui, je sais. On ne va pas faire d'excès, on reste sur notre truc. Et oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Donc tu vois, Steph, tout est possible. Parce que Steph, une fois, tu m'as dit, oui, mais non, moi, je n'ai pas droit. Mais si, tu as droit. Tu as droit. On a tous droit au bonheur. Et au mojito. Bon, ben les agrumes, tout ça c'est bien beau,
je commence à avoir un petit peu faim. Donc on va faire une chose. Je vais considérer que... Voilà, je te garde les meilleurs moments pour demain à la matinale. N'oublie pas, à la matinale, demain c'est vendredi, c'est samedi, donc c'est 9h. Voilà, tu as bien compris. Et puis voilà, on sera au calme, tranquille. Je pourrais te dire un petit peu ce qui s'est passé le soir ici. Il y aura quelques images. Bon, ben là, il faut attendre que Christine le temps de bosser, mais bon, c'est pas gagné, mais on sait qu'elle va tranquillement. On essaye de passer une bonne soirée. Ce que je voulais dire, c'est que ça serait d'autant mieux si la prochaine fois tu es avec nous. Voilà, voilà. J'ai fait quoi? 30 minutes? On est pas mal. Et oui, en plus. Oui, Steph. Alors, Steph, quelle est Stéphanie? Et oui, qui j'ai passé dans ma petite VDS? Hein? Eh bien, le bébé de Stéphanie. Et oui, oui. C'est un petit peu comme ça. Ah! N'oublie pas, comme tu dis. Eh bien, ne dis pas ça. Et puis, quand je vais t'appeler, tu ne vas pas répondre, Anaïs. Attention, Messenger à 9h du matin. Allez. Un gros bisou à toutes et à tous, prenez soin de vous. Et puis des mojitos, c'est vendredi, on se lâche. Et puis ceux qui vont bosser demain, samedi ou dimanche, n'oubliez pas, on a besoin de l'argent que vous rapportez. Et oui, pour changer de bagnole, hein, quand il y a les primes. T'inquiète pas. Non, non, non. Steph, chut, chut, chut. C'est entre toi et moi, ça, l'histoire de pied. Ça va. Allez, des bisous. Bye bye.